Hello les filles, est-ce que vous êtes prêtes pour m'accompagner sur une petite virée shopping chez Primark? C'est parti, je vous attends. On regarde tous ensemble cette vidéo. La vidéo des achats de tout ce que vous allez regarder va suivre dans quelques jours, 2 jours ou 3 jours maximum. Donc je compte sur vous de partager, de regarder et liker ou disliker cette vidéo. Me revoilà avec mon outfit composé de ma combi en jean de chez Camaïeu et de mes paires d'Air Jordan Nike. Premier arrêt sur cette belle jolie petite robe estivale toute bleue, longueur midi avec un dos à lassage. Ensuite, cette jolie chemise très légère qui est à 13 euros avec une super belle coupe. Par ici, juste à côté, un jean coupe mame pour 17 euros, un jean très clair, il est très stylé. De ce côté-là, un joli body effet corset d'une matière épaisse qualitative avec un décolleté marqué et des boutons dorés façon officier au prix de 14 euros. Et si vous cherchez des shorts façon cycliste en noir, sachez que Primark en propose au petit prix de 3 euros. Ensuite, je vous présente ce beau 3 pièces qui se compose d'un gilet à 13 euros, d'une veste blazer à 25 euros et d'un pantalon à pinces à 15 euros, couleur beige. J'enchaîne avec ce très beau crop top en jean avec une très belle coupe au niveau des épaules et avec un zip en guise de fermeture au niveau du dos au prix de 17 euros. Restons dans les tops et je vous présente ce petit top simple beige au prix de 7 euros. De loin, je vous montre également l'embarras de choix au niveau top et chemisier à petit prix du fleuri au coloré. Et toujours dans les tops, mais plus stylé, on retrouve ce mini crop top noir en dentelle pour 6 euros et un deuxième manche longue effet carreau beige marron pour 8 euros. On retrouve le même crop top noir en blanc proposé avec un petit short blanc ou un jean bistroy. Tout ça, c'est très estival. Je passe côté pyjama et je m'arrête sur ces deux modèles pour les amoureux de Disney avec un prix entre 10 et 11 euros. Je vous les montre de plus près. Que vous pouvez porter tout seul car il est assez long ou l'associer à ce petit short imprimé, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais voilà, ce petit short qui existe au prix de 7 euros. Et dans un autre style de pyjama, ce magnifique ensemble dans cette belle couleur à 12 euros le chemisier et 12 euros le pantalon. Vraiment, les imprimés sont géniaux. Ça fait très habillé, très chic. Un pyjama chic, quoi. Ensuite, derrière, on a un peu le même esprit, mais avec un short cette fois-ci. Avant de passer aux accessoires, je vais vous faire une petite parenthèse maillot de bain et pareo avec ce dernier à 15 euros très long qu'on peut marquer à la taille à l'aide du lacet. Il existe en modèle plus court et celui-ci en mode crochet pour 15 euros également. Je vous présente les maillots de bain qui sont à partir de 15 euros pour les maillots de bain une pièce. Je passe côté accessoires et je commence par ces jolies petites sandales claquettes entre le bordeaux et le marron et ce joli sac dans les mêmes temps, les deux à 8 euros chacun. Je vous montre également ces petites sandales toutes mignonnes en beige qui vont arriver juste après, mais je n'ai malheureusement pas pu identifier le prix étant sur les mannequins. Je suis désolée. Voilà. Pour les fans de serre-tête, j'ai sélectionné ce modèle assez bling bling proposé en deux couleurs. Ensuite, je tiens à vous présenter ce sac multi-pochette très fonctionnel pour 10 euros. Et toujours dans les multi-pochettes, ce lot de 2 trousses ou de 3 trousses de voyage à 12 euros très grand. Je mets ma main à côté afin de vous donner une idée de la taille. C'est très pratique. Pour les gagas d'organisation, cet organisateur de bureau ou de coiffeuse pour 6 euros avec un effet miroir à l'intérieur et ce porte-crayon au pinceau pour 4 euros. Vraiment très très beau. Je passe côté valise. On a également un grand choix au niveau format, au niveau matière, poids, légèreté ou couleur. Je vous fais des close-up notamment pour voir les prix. Vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de choix et beaucoup de coloris très fan. Certaines qu'on puisse trouver sans bonheur là-dedans. Toujours dans le même thème du voyage,
un portant dédié autour du cou pour les voyages, pour les adultes, pour les enfants. On a différents prix, différents modèles et aussi des imprimés différents. Et voilà. Et puis on va passer à l'avant-dernière partie qui concerne la maison. Avec ces torchons de cuisine pour 5 euros, un lot de 3 torchons très qualitatifs et très beaux dans les tons bleu, jaune ou vert. Et je m'arrête rapidement sur ces 5 cintres dorés en métal pour 3 euros. On ne sait jamais si vous êtes à la recherche de ces derniers. Également, je vous présente ce miroir lumineux avec une lumière réglable. En plus, il est doré pour 16 euros. Vraiment, il est très très beau. Et on peut l'allumer avec là au centre, c'est tactile. Je trouve que c'est très intéressant le rapport qualité-prix. Pour finir avec la catégorie Home, je zoome sur les fleurs séchées proposées sous forme de bouquet à partir de 6 euros et ce lot de 3 paniers à 13 euros, pardon. Un autre bouquet cette fois-ci vendu avec son panier pour 9 euros. Et cette minuscule composition affichée dans un cadre en verre pour 6 euros, très mignonne sur une étagère ou un bureau par exemple. Et ce dernier petit pot doré avec des plantes artificielles. Très sympa. Et me voilà en dernière partie pour les kids enfants spécial pour les activités. On retrouve des feutres à partir de 4 euros, des pistolets à colle à 4,50 €, pas sûr que ça soit moins cher que chez Action. Un petit tableau magnétique Target and Rewards, objectifs et récompenses pour motiver et aider les enfants à avoir des bonnes routines ou organisations pour 3,50 €. Des petites machines pour gonfler les ballons d'eau, un petit set de craft, travaux manuels pour 7 euros et pour finir plein plein de stylos style Marvel, Disney à partir d'un euro. Et voilà, mon vlog s'achève ici. Je vous donne rendez-vous dimanche pour le haul Primark pour voir tous les achats que j'ai réalisés. See you, bye!